C'est un moment fort de la Pâque orthodoxe, le partage du feu sacré, surnommé aussi le samedi des Lumières. À Jérusalem, dans la basilique du Saint-Sépulcre, lieu où le Christ a été crucifié, des milliers de pèlerins ont participé à la cérémonie en présence du patriarche grec Théophile III. Ce rituel remonterait au moins au IVe siècle. La flamme se transmet de cierge en cierge et s'envole ensuite dans tous les pays orthodoxes pour la veillée pascale. Une semaine après les catholiques, les chrétiens d'Orient célèbrent, selon le calendrier julien, la résurrection du Christ. Ici à Moscou, c'est l'occasion de faire bénir les mets traditionnels de Pâques. En Russie, on mange les œufs décorés, mais aussi le pachka, un gâteau au fromage, raisin et noix qui rappelle la forme du Saint-Sépulcre. Le moment fort de ce week-end de Pâques est la veillée pascale, ce samedi soir, où s'exprime toute la ferveur des chrétiens orthodoxes.